Bonjour, bonjour à tous, yeah, c'est Roleviki, on se retrouve aujourd'hui sur le petit polaire Planet Zoo, la suite du zoo de la communauté avec une vidéo spéciale puisque nous visitons l'enclos, les enclos qui ont été proposés pour le mouflon de Dal. La sélection est faite dans cette vidéo, il y a deux enclos à visiter, et enfin sera faite, et après on les pose et puis voilà, on va voir un petit peu les enclos. Nous sommes dans la Twitch, bonjour à tout le monde bien évident, et je rappelle que si vous voulez voir tous les replays de Planet Zoo, c'est sur la chaîne Royal Viking Replay. Royal Viking Replay, YouTube. Et vous avez les replays des lives non montés. Où du coup, ça dure plusieurs heures. Merci beaucoup, bienvenue sur le raid. Alors, plan. Plan, enclos, mouflon de dalle ici et un autre ici également. Il y a des règles à respecter. On va vérifier que les règles sont respectées. Et on les pose un peu à l'écart, histoire de pouvoir visiter sans être gêné par ce qu'on a déjà fait. Alors, voyons un petit peu. Boum, ceci étant posé. On a une grande montagne. Je mets un play parce que on sait jamais. Oh, sympa. Ah, c'est avec les fausses cascades. Attends, mais elle est énorme. Oh, cet effet d'optique, on a l'impression que ça remonte. Non? Ça vous fait pas cet effet-là? J'ai l'impression que ça monte. C'est mis à l'envers? Il est mis à l'envers, le truc? Si, c'est trop bizarre, ouais. Excellent. Oh, ok, avec toute une route ici qui monte pour venir après... Ah, bah, on passe à travers, pardon. Pour venir après de ce côté-ci. Attendez, on visite. Tac. Donc, il y a une montagne. Alors, mais bien sûr, une montagne toute seule, pour l'instant, ça fait bizarre. Mais il y en aura d'autres, hein, donc ne vous inquiétez pas. Ah, d'accord, très bien. Ok, l'idée est intéressante. Il monte là? Ah ouais, peut-être qu'il monte, hein. Non, mais dis pas qu'il monte là-haut. Oh, s'il monte tout là, c'est énorme. Bah, je pense qu'il monte, hein. Il monte là? Ah, s'il monte tout là-haut, c'est incroyable, en vrai. C'est trop bien. Ok, donc voici l'enclos. Par contre, il n'y a pas de nourriture, il n'y a rien, là. Comment ils se nourrissent? Comment ils se nourrissent? Qui l'a fait celui-là? C'est Shtetsduz. Shtetsduz. Ah oui, là. Ah oui, si. Petit mangeoir. Ah oui, non, ok. Ok. Ça marche. Au niveau environnement, j'avoue que je sais plus si les mouflons ont besoin de beaucoup. Parce que ça me fait... je trouve qu'il y a peu d'arbres. Mais peut-être que c'est ce que veulent les mouflons. Donc... J'avoue qu'il faudrait peut-être en poser un. Attendez, je vais en poser un. Je vais en poser un pour vérifier que tout est bon. Non, pas jusqu'en haut. Je pense pas qu'il monte jusqu'en haut. Oh, c'est dommage. Oh, ce serait dommage en vrai. Alors attendez, service. Je vais poser C'est où? Centre d'échange. Je pose un centre d'échange rapido. On met celui-là. Il sera détruit. Pas de soucis, ce sera détruit. On va mettre un employé. Ici. Un petit agent d'entretien. Toi, t'as pas beaucoup de boulot, toi. Toi, t'as pas beaucoup de boulot, pépère. Hein. Et on va aller chercher vite fait un mouflon pour tester. Parce que je suis perturbé par la densité. Après, peut-être qu'ils ont pas besoin de... Enfin, peut-être que tu peux en mettre beaucoup. Mais que tu peux aussi ne pas en mettre beaucoup. Comment ça? Allez, confirmer, ça va, c'est bizarre ça maintenant. Alors ça, hop. Envoyez dans le zoo. Tu vas le chercher, là? Ok, voyons. Voyons. Mais quelle magnifique barque. Merci beaucoup, Vaisnoga. C'est drôle, à chaque fois, ma barbe fait son petit effet. Voilà, écoutez, ah, je sais pas, 17 ans à pousser, mais au moins, elle fait son effet, quoi. Eh, le petit mouflon. Ok, fais voir, pépère. Est-ce que tu t'y sens bien? Déjà, alimentation, bon, voilà. Ça... Habitat, 99%. Donc, globalement, à part la propreté, ce qui est assez étonnant parce qu'il vient d'arriver. Peut-être qu'il se dit ça pue, mais c'est toi. Hein. Il y a ton haleine aussi qui joue, hein, dedans. Fais voir, environnement. Ah ouais, occupation, c'est pas beaucoup, hein. Effectivement, hein. Tout est dans le vert. Au niveau espace, c'est largement suffisant. Au niveau réparti, enfin terrain, tout est good. En même temps, c'est que de la neige, donc c'est pas très compliqué. Ok, non, bah écoute, qui correspond. Tout va bien pour cet enclos.
on a une montagne. Alors j'avais dit, alors qu'est-ce que j'avais dit? Je suis sous le charme. Ouais, écoute, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors pour le mouflon de dalle, j'avais demandé un enclos montagneux. Un enclos montagneux, quoi. Bon voilà, il n'y avait pas plus d'infos que ça. Et les montagnes, j'avais précisé, on va tester parce que c'est là où c'est important. J'avais précisé pour pas que ça soit complètement ridicule. Une montagne avec maximum, hein, 3 cubes de haut. Donc ça peut être moins, mais ça peut pas être plus. On y est largement et ça fait 2. Ça fait à peine 2. Enfin, ça fait un peu plus de 2. On est good. Tout est bon. Regarde s'il peut monter. Ah ouais, attends, regarde s'il peut monter jusqu'en haut. On va regarder. Ah, quel dommage, il peut pas. Oh, ça aurait été incroyable. Il n'y a pas le constructeur de l'enclos, là? Il n'y a pas le constructeur. Est-ce que je peux me permettre de creuser un petit peu pour qu'il puisse monter? Juste un peu. Il manque que ça. Quel dommage. Mais en vrai, je pense que c'était prévu. Bah, pourquoi avoir fait ça, sinon? Ensuite, deuxième enclos. Enclos mouflon d'Alice. Waouh! Ah oui, d'accord. C'est un mouflon. Un mouflon, c'est pas un mouflon. C'est un enclos beaucoup plus grand. C'est un enclos, bah, c'est marqué, hein. Immense enclos. Hein. Immense enclos. Fait par Glemsar. Glemsar qui a déjà fait le renne. Donc j'avais dit, hein, les règles, c'est un enclos par personne. S'il y a d'autres enclos. Enfin, s'il y a d'autres enclos, on ne resélectionne pas les mêmes personnes. Voilà, c'est pour faire tourner. Alors attendez, faites voir un petit peu. Ah ouais, excellent. Mais c'est quoi ça? Il y a de l'eau normalement là? Alors c'est un enclos avec. Un point d'observation ici. Ah ouais, il est propre. Le mouflon de Nal. Dalle n'a pas la dalle. Ne pas nourrir. Ok, mouflon de dalle. Bon, par contre, j'avoue que pour aller regarder, il faut quand même se pencher. Hein. Pas avoir le vertige. Hein. Faut pas avoir le vertige. Hein. C'est propre. Hein. Ah, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la construction qui amène... qui amène les humains. Mais les mouflons, enfin, on peut rentrer dans l'enclos mouflon normalement. On peut peut-être pas. Mais c'est fait de manière à ce que on puisse avec la terraformation, non? Les visiteurs peuvent pas rentrer dans l'habitat normalement. Ah ouais, donc c'est fait. C'est fait. Quoi? Mais qu'est-ce que c'est tout ça? Mais à quoi ça sert? Et tu mets un ascenseur là? Et comment on grimpe? Ah non, tu mets les routes et les marches. Oh, la galère pour arriver en haut, quoi. Il doit mettre 3 ans le gars à arriver en haut. Pour on descend et on arrive par là. Ah mais c'est bien pensé, j'aime bien. Une route, faut bien monter. Ouais, non mais... C'est là où un ascenseur aurait pu être intéressant, mais il n'y en a pas dans le jeu. C'est très très propre, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Gros travail fourni. Le bâtiment, au final... Oh, par contre, il va falloir appeler le bûcheron, là, parce que... Ouais, ça, c'est inquiétant, ça. Hein. C'est un courant en l'air un peu trop fort, ça tape la vitre et c'est terminé, quoi. C'est un décès, quoi. Voici les deux enclos. On peut les regarder de nuit, bien sûr, parce que c'est un peu... voilà, on sait jamais. Hein, on sait jamais. Ici, forcément, il n'y a rien. Donc, c'est un enclos nature. Un enclos sauvage. Giorgio Armani. C'est quoi, ici, là? La lampe torche. Ouais, c'est pour remonter, ici. D'accord, pardon. Et ici, forcément, de la lumière, là où il y a les gens... Hein, histoire qu'ils puissent ne pas chuter du pont, ce serait dommage. J'aime bien. Tu sais, ça me fait penser à Skyrim. Hop, t'as envie de sauter là. Pour aller vers l'Académie des Mages. Non. Malheureusement, il n'y aura pas de vote pour sélectionner le prochain enclos. On aura celui-là. Et de toute façon, il y aura derrière d'autres montagnes. Je suis persuadé qu'avec la vue ici et les autres enclos autour... qui amèneront du coup pas juste une montagne, mais un ensemble de montagnes, ça va amener quelque chose. Il va falloir aménager pour que cet enclos aille avec les autres enclos qui auront des montagnes également. Ok, très bien. Bon, du coup, la sélection étant faite, donc là, c'était l'enclos Glemsar. Hein. De toute façon, c'est sur le workshop, hein, Royal Viking, si vous voulez les trouver. Et tac, tac, on enlève. Et ici, enclos mouflon aussi, de Stestus. Stestus, qui nous a fait des bâtiments, d'ailleurs, les boutiques, etc., donc, excellent. Alors, mouflon, plan.
Et là, on va faire. En fait, je vais reprendre la rivière là et je vais la faire partir par là pour la faire redescendre ici. Comme ça, après, les employés, enfin les gens, ils pourront tourner autour ici en remontant par là. Ils pourront tourner autour de l'enclos. Pas mal. Ok. Bon, vous êtes posé. Ah, j'aime bien. C'est sympa. J'aime bien, c'est sympa. Alors forcément, oui, vous allez dire, ouais, ça fait bizarre, il n'y a qu'une montagne comme ça plantée au milieu. Attendez, ne jugez pas avant que ce soit fini. Ne jugez pas avant que ce soit fini. Parce que moi, derrière ici, je vais en rajouter les montagnes. Et ici, il y en aura d'autres avec d'autres enclos. Donc, tout va bien. Elle ne va pas être sortie de nulle part, cette montagne, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Ça va être un travail de terraformation, mais ça va être plaisant. Ça et ça. Fais voir un petit peu. Ok. Ok. Il va falloir la décorer cette rivière. Hein. Parce que là, bon, elle est sympa, mais elle est pas faite. Hein. Eh ben, on s'est galéré, mais c'est passé. On est good. La route est posée. Ça, ce sera viré, hein, de toute façon. Bon, parfait. Ici, ce sera modifié aussi, mais bon, pour l'instant, on n'y est pas. Comme ça, on va pouvoir décorer là. C'est bien, on va pouvoir mettre des arbres et tout, ça va être joli. Ça va être joli, je vais bien aimer. On respire 2 secondes.